Yo tout le monde, c'est Mistel, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui c'est une vidéo de FIFA 15 achat-revente. Alors j'ai vendu Neymar. Je l'ai acheté aux alentours de 52 000 et je l'ai vendu à 56 000. Aza qui est une valeur sûre. Vous pouvez faire de l'achat-revente avec, il n'y a pas de souci. Hazard, celui-là je l'ai acheté à 42 000, je l'ai vendu à 47 000. Mais Hazard maintenant c'est plus une valeur sûre, il faut plus, enfin voilà, c'est plus un bon joueur pour faire l'achat revente. Neymar, encore une fois Neymar, c'est pour l'instant c'est le meilleur. Bale, je suis en train de faire l'achat revente avec, mais pour l'instant j'ai du mal, ça marche pas fort Bale. Donc là on va chercher Neymar pour voir un peu son prix. Donc prix d'achat immédiat c'est aux alentours de 80 000 voire même parfois 60 000, enfin entre 60 000 et 80 000. Là par contre Neymar je vais pas pouvoir l'acheter là tout de suite parce que j'ai plus beaucoup de crédit, parce que là je suis en train de refaire mon équipe. Donc voilà. Et donc Neymar là il y a des, ouais, Neymar 52 000. Bah Neymar à 52 000 cartes chasseurs c'est plutôt bien, enfin même très bien, parce qu'après vous pouvez leur vendre à 52 000, bah comme moi à 57 000 ou voire même plus, hein. Après c'est à vous de voir, après hein. Après si vous leur vendez à 57 000 vous êtes sûr de, enfin sûr pas à 100% mais disons à 95% de leur vendre en une heure. Donc Neymar c'est une valeur sûre, Hazard ce n'est plus une valeur sûre, Bale, je vous dirai ça dans la prochaine vidéo parce que là je suis en train de le vendre, mais bon pour l'instant c'est pas une réussite hein. Donc je pense pas que c'est une valeur sûre. Donc voilà, abonnez-vous à ma chaîne, ciao tout le monde.